Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Avant de commencer cette vidéo, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la gêne occasionnée par la mauvaise qualité de la vidéo, aussi bien au niveau du son que de la vidéo par elle-même. Tout d'abord parce que pour ceux qui me suivaient, vous le savez, je suis en transition, cela devrait pouvoir se remettre dans l'ordre fin du mois de mai, début du mois de juin. Donc il va falloir malheureusement encore voilà, avoir des vidéos pas très claires et pas toujours très justes au niveau du son et de la qualité. Donc excusez-moi encore. Petit réglage aussi, donc en ce qui concerne les signes du zodiaque, je commence toujours par le signe de la balance. Ça me permet de me connecter, de pouvoir après effectivement avoir plus de fluidité sur les autres signes jusqu'au signe de la Vierge avec lequel je termine. Et puis autre chose, sachez que c'est une vidéo généraliste, donc bien sûr que qui dit général. Donc elle peut vous parler ou pas du tout. Elle n'est pas aussi précise que lorsqu'on fait une consultation en privé qui ne va parler effectivement que de vous et de votre cas bien particulier. Sachez aussi que quand j'annonce quelque chose, et eh bien écoutez, ça peut effectivement vous parler, par exemple, si vous avez réussi à l'examen et vous ne le réussissez pas, bah, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas le Gémeau à qui j'ai dit qu'il fallait que vous alliez réussir l'examen. Donc voilà, prenez vraiment que ce qui vous qui vous stimule, qui vous parle, hein. Attention, je reste sur le fait que c'est quelque chose de généraliste, donc ça peut vous parler ou bien entendu pas du tout. Alors, cette vidéo va se composer en deux parties. Une partie professionnelle, du moins générale, où il y aura le pro, le famille ou tout ce qui pourrait ressortir dans le jeu. Et un domaine sentimental, toujours pareil, en fonction de ce que vous vivez actuellement. On va voir ce qui ressort. Et nous allons tout de suite commencer, sans perdre de temps, avec après tous ces réglages, de voir tout de suite ce que vous dit, ce que vous donne comme information l'univers dans le domaine professionnel ou sentimental. Allez, on y va. Alors, force et détermination, donc c'est ce qui va régir ce mois de mai 2021. L'abondance est là également pour vous dans les domaines de votre vie, si vous suivez votre destinée. Donc, si vous suivez votre chemin de vie que vous, qui vous est tracé, un chemin de vie que vous devez être seul à prendre en compte. Donc c'est vous qui décidez, c'est vous qui effectivement mettez les choses en œuvre et on a une pleine et totale réussite pour vous, amis Gémeaux. Attention toutefois à certaines personnes qui pourront effectivement essayer de vous donner de fausses informations. Je pense qu'il y aura beaucoup de déceptions pour certains d'entre vous par rapport à des personnes que vous allez rencontrer. Alors restez bien en centré sur vous et uniquement sur vous et sur ce que vous désirez. Soyez vigilant par rapport justement à ces personnes ou ces situations qui pourraient être, on va dire, troublante, retrouver une forme d'équilibre, de voir, de bien peser, je dirais, le pour et le contre. De toute façon, vous allez vous débarrasser des personnes ou des situations qui ne vous conviennent plus pour renaître de vos cendres et effectivement aller vers quelque chose qui vous plaît et qui vous convient beaucoup plus simplement. De plus, avec la naissance, eh bien, mesdames, pour ceux qui veulent un bébé, je dirais que c'est plutôt bien aspecté, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des projets en cours, eh bien, n'hésitez pas à les mettre durant cette période. Le pardon, c'est en fait de ne pas perdre de temps à ressasser cette situation, je dirais, de déception. Ça ne sert à rien, c'est plutôt le fait de passer à autre chose. Et arrêtez aussi de vous faire des nœuds au cerveau. Vous êtes capable de tout, donc allez-y, foncez. N'hésitez pas effectivement à vous déplacer. Donc peut-être effectivement changement de vie, changement de ville, changement de lieu, changement de boulot, changement de façon de voir des choses, changement de travail, tout ce que vous voulez, hein, même on va dire une construction, même si vous avez envie de faire des choses. C'est le moment ou jamais d'aller là où vous avez envie d'aller. C'est un peu ce côté de transport que j'ai envie de vous dire. Allez-y, foncez amis Gémeaux, c'est le bon timing, c'est le bon moment pour effectivement mettre en place certains projets que vous avez. On continue pour vous.
Qu'est-ce qu'on vous donne comme type d'information? Alors. Alors, attention de ne pas non plus tirer trop sur la corde, ami Gémeaux, parce qu'effectivement, je vois que... Alors, c'est plutôt le mental, hein, on sent que ça va fusionner là-dedans, vous avez des décisions et des choix à faire. Alors, peut-être que ça va bouillonner, peut-être par rapport à l'acquisition de quelque chose, puisque ça va vous permettre effectivement d'arriver à la fin d'un cycle, de pouvoir recréer quelque chose d'autre. Alors, soyez encore vigilants par rapport à des personnes... ou par rapport à des contrats que vous allez mettre en place, par rapport à des changements. Donc lisez bien, si vous signez un nouveau contrat, lisez bien les petites lignes. Si vous achetez quelque chose, lisez bien tout ce qu'il faut. Voyez bien s'il n'y a pas de malfaçon ou autre. Hein. C'est vraiment ça, c'est comme ça que je le ressens. Donc soyez vigilants même peut-être par rapport à des personnes, ou des, comme je vous disais, à cette situation liée à l'argent. Donc toujours pareil, rémunération, bien lire votre contrat, bien lire si vous sortez d'une entreprise qu'ils vous ont bien tout payé. Si c'est un achat, vérifiez si le contrat est bien en bonne et due forme. En tous les cas, voilà, dans le domaine du travail, c'est surtout dans le domaine du travail qu'il faut être vigilant. Vous avez une très belle protection, ça veut dire que vous allez pouvoir créer quelque chose ou aller ailleurs. En tout cas, il y a de belles surprises dans ce niveau-là. Donc, si vous cherchez un travail, il y a bien quelque chose qui se met en place. Toujours pareil, je vous l'ai dit, soyez vigilant par rapport à des personnes. Donc attention, des personnes avec lesquelles vous pensiez faire un partenariat ou quelqu'un que vous pensiez être vraiment un ami ou une amie, c'est une personne qui va tenter de vous la faire à l'envers, qui va peut-être divulguer un secret ou des choses. Donc si vous souhaitez, vous séparer par exemple de votre entreprise, n'en parlez à personne, même pas à un collègue ou une collègue que vous pensez être votre ami. De toute façon, vous allez vous séparer de toutes les choses qui ne vous conviennent plus, mais si c'est le cas, gardez-le pour vous, c'est vraiment très important. Voilà, donc beaucoup de dualité parce qu'on voit que vous allez prendre des décisions, qu'effectivement ça va vous sortir votre zone de confort. Donc j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Je sens que je dois y aller, mais j'ai peur de y aller. Mais vous devez y aller, vous voyez, c'est ce côté-là, mais c'est pour quelque chose de très bon. Donc j'ai envie de vous dire, à partir du moment où vous êtes vigilant, et à partir du moment où vous allez faire attention, il n'y a pas de risque. Donc, allez-y, vous devez le faire. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez pour vous les Gémeaux. On continue toujours dans le domaine général. On va voir un petit peu ce que l'on vous donne pour vous, les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Alors... Eh bien, toujours pareil, on ne dit rien de tout ce que l'on doit faire, des projets. On lâche prise, on fait ce que l'on doit faire en secret. On laisse faire les choses comme elles doivent être faites. Il y a vraiment de belles surprises qui vous arrivent vers vous, donc il n'y a pas de problème. On est bien dans un changement, bien dans une transformation. Attention effectivement à quelques nuages, donc soyez vigilants, mais restez zen par rapport à tout ce qui vous arrive, puisque la réussite est bien là, elle est bien présente, elle est même, on va dire, avec un bel accompagnement, donc ça va vraiment toucher tout le monde. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans la réussite, hein, vous êtes vraiment, attention, toujours pareil, hein, dans cette évolution, dans cette évasion, donc attention à certaines personnes, hein, toujours pareil, hein, j'ai vraiment ce côté tempête par rapport à des personnes qui essaieront de vous la faire à l'envers, mais je dirais que ce côté d'à l'envers va vous donner plein de belles choses derrière, donc limite, je dirais qu'à partir du moment où vous êtes vigilant, vous allez retomber sur vos papattes. Donc plutôt pas mal les Gémeaux, hein. Il y a de belles choses qui arrivent, juste de faire attention à certaines personnes. Peut-être une trahison, je dirais, au niveau du travail, mais peut-être des gens que vous auriez peut-être pu croire être des amis, vous voyez, c'est peut-être ça. Donc soyez vigilants, faites bien attention à vous. Allez, je termine ce domaine professionnel avec trois cartes. Alors, qu'est-ce que l'on dit?
Alors, fatalité, le temps, les choses inéluctibles, finalité, limite, frontière, échange. Attention, soyez vigilant à certaines personnes. Il y a aussi cette notion de fin de cycle pour vous, donc attention. Repli sur soi, isolement, fermement, reconstruction, recherche, quiétude. On ne dit rien sur les projets que l'on a, quels qu'ils soient. Départ, renouveau, achat, ce que vous voulez, on garde tout secret. Il vaut mieux être vigilant. Et on a la chance, le hasard, les coïncidences, les événements positifs, les opportunités, les aventures, la destinée. On a bien la réussite sur votre chemin. Donc attention, soyez vigilant par rapport à des personnes. Vous êtes payé à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Alors je ne sais pas nécessairement dans quoi, mais il y a quelque chose vraiment qui change. Et pour le meilleur, bien entendu, amis Gémeaux. Donc allez-y, foncez, croyez en vous, ayez confiance en vous. On continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. On va voir ce que l'on vous donne pour vous, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Waouh! Il y a quelqu'un sur votre chemin, sur votre destinée, quelqu'un qui doit être avec vous, mais il faut avoir le déclic. Voilà, il y a un déclic, ça y est, c'est la bonne personne, c'est elle. Chance et opportunités qui vont être mises sur votre chemin pour que la lumière soit faite sur cette situation. Alors, ça peut être vis-à-vis d'une triangulaire, vis-à-vis d'une personne du passé, vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous êtes actuellement en pour parler entre guillemets, pour faire, pour se mettre les choses, enfin pour mettre les choses. Donc, je vais mettre les choses en place. Donc, je vais vous dire de suivre votre intuition, de vous écouter, de ne pas vous interdire certaines choses, mais justement d'être vous-même en fait et de dire les choses. Alors, vous avez peur, hein, il y a des peurs, il y a des doutes. Est-ce que je vais me tromper? Est-ce que c'est la bonne ou pas? Prenez les choses avec plus de légèreté, ça c'est important. Il y a des choses qui font partie de votre destinée. Et puis moi, j'ai presque envie de vous dire, c'est une personne avec laquelle vous pourriez même vivre en couple et emménager avec elle, puisqu'elle fait vraiment partie de votre destin. Alors la peur d'être trahi, la peur d'être de se tromper est bien là. Pourtant, tout est là. Vous êtes bien avec cette personne. On a bien ce retour d'une personne du passé, je vous l'avais dit, hein, c'est comme ça que je le ressentais. Peut-être d'ailleurs, devez-vous faire un déplacement pour aller la rejoindre. Mais vous êtes perdu. J'y vais, j'y vais pas. Comment peut-être va-t-elle m'accueillir? Est-ce que je peux y aller ou pas? Voilà, beaucoup de questionnements. Mais on sait, tout d'un coup, on a eu un déclic. Punaise, mais il faut que j'y aille, c'est elle. Je vais peut-être me prendre un mur. Bah, peut-être ou peut-être pas. C'est que en essayant que vous allez voir que ça donne ou pas. En tous les cas, il y a quelque chose de très positif qui se dégage de ce jeu. Donc j'ai envie de vous dire, amis Gémeaux, essayez quand même de faire le point et d'essayer de faire quelque chose par rapport à cette relation amoureuse qui est peut-être déjà existante ou que peut-être vous allez mettre en place parce que vous avez eu le déclic, que vous dites, tiens, mais en fait c'est elle, il faut que j'y aille, ou c'est lui, il faut que j'y aille. Voilà. Allez. Toujours pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. On va voir ce qu'il en est. Chance et opportunité, donc elles sont là. Attention, toujours pareil, peur d'être trahi. C'est vraiment ça, la peur de la trahison, hein, pour certains d'entre vous. Soyez qui vous êtes. Voilà, n'ayez pas peur. Dites ce que vous avez à dire et prenez les choses avec beaucoup plus de lâcher prise et de légèreté. On est bien dans l'engagement. Donc on a bien l'engagement du couple, on a bien le plein bonheur pour vous dans un futur couple ou dans quelque chose. Mais voilà, les peurs, les doutes sont bien là. Donc vous êtes vraiment perdu dans cette relation ou cette relation qui va venir à vous. Il y a bien ce retour d'une personne du passé. On parle bien d'un regain. On parle bien d'une personne avec laquelle vous étiez séparé depuis un certain moment. Donc ça peut durer depuis 2 ou 3 ans, hein, par exemple. Mais vous avez... Voilà, eu un déclic, hein, et voilà, c'est vraiment ce côté déclic. Il y a eu un déclic. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, le coup de foudre, le déclic, le dire, ah là là, c'est peut-être ça. Et puis, vous avez envie d'avoir une concrétisation de projet. Voilà, vous voyez, projet, concrétisation, il y a une construction avec cette personne. Pour moi, c'est vraiment une personne qui vous est pas acquise, mais presque. Il y a vraiment ce côté de, elle est là, elle est présente. Alors, soit vous allez la rencontrer,
Soit vous l'avez déjà rencontré, ça fait longtemps que vous êtes séparés et que vous n'avez peut-être pas, pour certains, osé faire le premier pas et qu'il faut l'oser pour vous, messieurs. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être fait. Alors, peut-être avez-vous peur de prendre un mur, ce qui me paraît peut-être normal si ça s'était mal fini. Mais il y a quelque chose. Pour d'autres, c'est peut-être la venue de quelqu'un, d'une rencontre qui va vous donner quelque chose, une envie d'aller vers elle, mais les peurs, les doutes font que vous avez du mal. Guérissez d'abord de vos blessures. On ne peut pas être blessé par quelqu'un à partir du moment où on a effectivement guéri de ses blessures. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment, il faut avancer sur ce chemin. C'est vraiment être dans cette avancée, dans cette compréhension. Allez, on continue. On est dans l'écoute de soi, l'écoute de son intuition, ça c'est important. On est sur une rencontre, c'est bien ce que je ressentais pour beaucoup d'entre vous. Attention, voilà, attention de ne pas vous... Il y a aussi le retour d'une personne. Alors, on voit bien qu'il y a quand même le retour d'une personne du passé. Il y a cette carte qui me dérange, donc ça veut dire qu'il faut vraiment être vigilant et de faire bien attention et d'avoir appris de vos réflexions passées. On est bien sur quelqu'un qu'on a eu à une grande pause, c'est ça. Il y a peut-être le temps aussi de prendre du recul par rapport, on va dire, à cette relation, mais on va bien vers une relation plutôt stable, donc ça me parle bien. Attention aux amours passagers pour certains d'entre vous, il y a quand même aussi cette notion. Donc il va falloir prendre une décision par rapport à ces personnes que vous allez rencontrer en fonction de ce que vous allez voir. En tous les cas, on va quand même vers un succès, vers une construction, vers un coup de foudre, vers quelque chose de chouette. Donc ne vous interdisez pas la possibilité de vivre quelque chose à cause de vos peurs et de vos doutes, puisque de toute façon, on finit bien l'histoire. Attention effectivement de ne pas vous faire avoir. C'est toujours pareil, il faut prendre du recul et penser à soi dans une relation. On ne peut pas être ni détruit, ni quoi que ce soit à partir du moment où on reste en phase avec soi-même. C'est ça la base. Et donc, cette base-là, c'est de s'aimer. On ne peut pas être détruit par quelqu'un. On ne peut pas être, blessé ou quoi que ce soit. On ne peut que se laisser l'opportunité d'être blessé parce que justement, on a des manques. Et de ce fait, voilà, c'est pas possible. Après que vous soyez en colère, que vous disiez ça, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas être blessé par quelqu'un. Voilà, ça c'est spirituellement parlant, on vous demande effectivement de dépasser cela parce que vous êtes votre priorité. Et de ce fait, à partir du moment où il y a quelque chose qui vous dérange, eh bien c'est au revoir, je passe à autre chose. Donc respectez-vous, amis Gémeaux, c'est le plus important. Je termine ce domaine sentimental avec trois cartes. On va voir quels sont les derniers conseils que l'on vous donne pour vous les Gémeaux. Donc il y a quelque chose qui est quand même assez sympathique qui arrive pour vous. Mais vous aurez des choix et des décisions à prendre par rapport à ce que vous rencontrerez, par rapport à ce que vous avez appris, bien entendu. Choix et décision. Bon, voilà, c'est clair, c'est net et précis. Voilà. Gestation, donc pour vous, mesdames, eh bien, ça parle bien d'un bébé, mais ça veut dire aussi des projets de couple. Et jalousie et rivalité, il y a bien quelque chose. Moi, je dirais plutôt des peurs et des doutes qui font que vous avez du mal à rentrer dans cette future relation. Donc, attention, effectivement, à bien avoir appris de vos expériences passées et d'aller de l'avant. Alors, on termine par 3 cartes. L'idéal vécu, ce que vous souhaitez avec ferveur existe dans le monde invisible. Donc ça veut dire que
Tout vous est possible. Allez-y, foncez. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Soyez vous-même. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention. Maintenant, afin de vous le dévoiler, ces précieux messages, suivez votre intuition. Il y a vraiment cette belle notion pour vous, amis Gémeaux. C'est plutôt un très joli mois de mai qui s'annonce pour vous. Donc, accueillez-le, quoi qu'il arrive, et écoutez-vous. Ça va être vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Sur ce, je vous souhaite un très très joli mois de mai. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.